Des Bordeaux, les confins. Des Bordeaux, les confins. Des Bordeaux. Je t'ai appelé trois fois, non? Depuis le début ici, je vous ai fait comprendre quoi? Que ce monsieur-là n'a jamais eu l'intention d'aider Prince Aimé. Voyez la réalité en face de vous. À peine on met le clip de Prince Aimé sur sa chaîne. Et c'est ce qu'on demandait à ce type-là de faire même depuis. Voilà, on m'alors à fermer vos bouches, non? Je dis encore bravo à Malors. Ah, Malors, je ne regrette pas de t'avoir soutenu jusqu'à présent. Frère, les gens m'ont insulté, les gens nous ont traité de tout, mais aujourd'hui, on nous donne raison. On met le clip de Prince Aimé en ligne. Des Bordeaux, tu attendais quoi depuis pour poster ton remix? Quelle est l'intention que tu as de venir au moment où on poste le remix de Prince Aimé et Malors? Toi, tu cours aussi, tu postes ta part sur ta page, sur ta chaîne. C'est pourquoi? Toujours pour diminuer les vues. Tes frères ont d'abord créé des fake comptes, des fake chaînes pour diminuer toujours les vues de Prince Aimé. Pourquoi on n'atteint pas l'objectif de 4 millions de vues en 24 heures? Et ce que je voudrais faire comprendre au peuple ivoirien, c'est que les Camerounais, parce que vous êtes en train de bavarder que nous, on a fait 3 millions et poussière sans vos sabotages là. Quand De Bordeaux a sorti son Djenema Djamba, vous avez vu les Camerounais faire des challenges. Vous avez vu des blogueurs Camerounais parler de ça, encourager les gens à aller regarder. Aucun Camerounais n'a créé une page pour casser les vues chez De Bordeaux. Aucun Camerounais n'a fait une sortie pour demander à ses frères de ne pas regarder la vidéo de Djenema Djamba. J'ai regardé la vidéo de Djenema Djamba, malgré que je savais que le type là, je vous dis depuis que le type là ne m'inspire pas. J'ai regardé son clip. Après 3 minutes, quand il a posté jusqu'à la fin, je vous dis que le monsieur-ci n'a pas les bonnes intentions. À peine on met le clip de Prince Aimé, remix, lui n'a pas posté aussi sa part. Pourtant, tu as sorti ça depuis, tu es resté, c'est resté dans ta valise là-bas. Dès que Malors, gars, tu es bahat, hein. Tu es bahat. Vraiment, de Dieu, moi je ne sais même pas. C'est quelle mentalité que vous avez comme ça? Ce que je voulais d'abord préciser à mes frères, sachez d'abord une chose. Prince Malos a damé le pion à des Bordeaux aller et retour. Je m'explique. Nous sommes les créateurs de ton contenu. Beaucoup ne savent pas comment ces choses-là se passent. Regardez un peu la chaîne de Des Bordeaux les confins. C'est une chaîne qui a plus de 700 000 abonnés. Plus de 700 000 abonnés. C'est une chaîne qui travaille depuis des années. Donc, Des Bordeaux, à la base, rien que ses abonnés, il était prioritaire. Contrairement à la chaîne de Prince Aimé, qui faisait moins de 100 000 abonnés. Moins de 100 000. Et ça atteignait même 80 000. Ça n'atteignait même pas 80 000. C'est maintenant là que c'est en train de monter. Voilà une chaîne qui n'atteignait même pas 80 000 abonnés, qui a fait 3 millions et poussière de vues en 24 heures. Contrairement à une chaîne qui a plus de 700 000 abonnés, qui fait 4 millions de vues en 24 heures. Entre vous, qui est plus puissant que l'autre? Qui est plus puissant que l'autre? Dites-moi. C'est bel et bien Prince Aimé, le remix de Malors. Le remix avec Malors. Oui. S'il faut toujours mettre ça sous la balance, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Bon, pas la Côte d'Ivoire et le Cameroun, les Ivoiriens et les Camerounais. C'est mieux de parler plutôt comme ça. Vous ne pensez pas que les Camerounais ont fait vraiment preuve de grandeur? Nous, on a damé, on les a damé le pion très long. Oui. Quand Des Bordeaux annonce son tournage des clips. Il s'est retrouvé dans son lieu où il avait programmé son tournage. Il avait combien d'artistes ivoiriens? Vous restez seulement dans vos chambres, vous bavardez, mais vous n'avez pas le temps d'aller sur le terrain soutenir votre artiste que vous célébrez tant.
Mais Malors, est-ce que montrez-moi le poste où Malors a même demandé à un blogueur, à un influenceur de venir. On dit seulement tous les Camerounais, tous, à l'avenir Kennedy. On parlait des 5 grosses têtes. Personne ne connaissait les 5 grosses têtes. Qui étaient les 5 grosses têtes? C'est après le clip que vous avez vu, les 5 grosses têtes. Mais vous avez vu comment les Camerounais se sont mobilisés, partant de Douala, c'est plus de 250 km. Vous connaissez nos états de route, non? Les gars n'ont pas eu peur de ça. Les gars ont dit que même si la route est comment, nous, on va emprunter la route, on va soutenir Prince Emmy. Vous pensez que vous êtes plus solidaires que nous? Non. Jamais. Mais quand le clip sort, c'est vous les premiers à saboter. Je suis sûr que les Ivoiriens n'ont même pas regardé le clip de Prince Emmy. Là, je suis sûr. Je suis sûr. Juste par jalousie. Frère, après le beurre, c'est la famille. Hein. Vous êtes notre belle famille. Nous sommes, c'est nous l'homme. C'est nous l'homme. C'est vous la femme. Est-ce depuis quand la femme va commander l'homme? Ça ne se fait pas. C'est toujours l'homme qui commande. C'est la nature, c'est la loi de la nature. On ne peut rien, on ne peut pas changer. Ça va faire mal, mais il faut digérer, buvez un peu d'eau. Chers frères ivoiriens, la nature avait déjà décidé comme ça. C'est vous, nos go. Donc, on va vous dormir bien. On va bien vous touma. Et vous allez nous dire merci. Parce que c'est vous, nos go. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va jamais rien changer. Même si ça choque comment. Ça ne sert à rien de faire le petit boucan. Vous avez saboté Prince Emmy et ça a changé quoi. C'est en train de monter, non? C'est en train de monter. Et ça va monter. Oh, nous. Vous n'avez pas dit moi, parce que moi, depuis le début, je vous ai dit que des Bordeaux, là, si toi, des Bordeaux, tu voulais vraiment aider Prince Emmy, tu voulais vraiment aider Prince Emmy, malgré tout ce qui s'est passé là, tu devais partager le lien sur le remix, là, le lien du remix. Là. Voilà ce que Malors a fait. Malors part, donc, il sacrifie tout son temps. Il choisit les grosses têtes, il fait le clip, tout, il part diffuser. Diffuser sur la chaîne YouTube. Ça, c'est ce qu'on appelle lancer un artiste. Oh, toi, tu devais diffuser sur ta chaîne. C'est-à-dire que tous ceux qui devaient venir, ce sont les statistiques de ta chaîne qui montent. Les abonnés montent. La visibilité sur ta chaîne. Pensez, mais avec quoi? Avec quel intérêt là? Même si tu lui reversais, même si c'est 5 millions, c'est 10 millions, c'est toi qui gagnais en tout. Déjà, tu as refusé de faire le remix avec Prince Emmy. Parce que tu savais que tu faisais le remix avec Prince Emmy. Les concerts, tu devais arrêter la main de Prince Emmy. Voilà donc. Malors qui est venu faire ce qu'on te demandait de faire depuis. Et on ne te demandait même pas de poster sur la chaîne de Prince Emmy. Mais Malors est allé très loin. Poster sur la chaîne de Prince Emmy pour te faire, pour te rendre petit. Pour te dire, pour te demander de fermer ta bouche à jamais. On n'a même plus besoin de ton remix là. Gars, hey, pour nous là, non, c'est là. Déjà, attendez que ça lance. Malors vous a d'abord nagué avec un faux remix là. Déjà, ils ont dit, oh, si c'est ce genre de remix là. Quand la vraie version est sortie, ah, meuf, tu joues, petit frère. Chacun a seulement lock sa bouche. C'est le sac. On l'appelle Malors Poutine, le king. Hey, tu joues. Quoi? Ah, continue à bavarder. Mais les Ivoiriens, nous restons vos boys. Chaque fois là, qu'il y a besoin, nous, on va vous endormir. Et le continent, on parle du continent vert, rouge, jaune. Hein? Faut. Ou mettre au côté hein, de ça qu'il s'agit. Ciao les gars. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la DV Loterie américaine. Donc, rejoignez-nous au studio Vision Pro à Ngousso. On a prolongé jusqu'au 7. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est le last day aujourd'hui. Donc, si quelqu'un n'a pas joué aujourd'hui, pardon, attends seulement l'année prochaine. Il ne faut pas que les gens vous arnaquent. Hein, parce que les gars vont encore continuer le jeu jusqu'au 10. Quand ils sont forts, ils remplissent les fichiers Word, ils impriment, ils vous donnent là. C'est en main que vous allez savoir si vous avez joué ou pas. Vous allez aller taper vos codes, ça va mettre seulement 1€. Pour savoir si vous avez bien joué en main, là, dès que vous mettez vos codes, ça vous dit si vous avez réussi ou pas. Mais si ça met 1€, c'est que vous n'avez jamais joué. Vous entendez? Ciao.